toutes et à tous, c'est parti pour un 4v4. Alors là, c'est une map originale, c'est-à-dire que quand vous lancez, tout le monde se met en aléatoire et du coup, ça split automatiquement du coup les équipes en deux parties. Donc là, je suis avec 4 personnes, hein, donc j'ai été mis dans un autre channel et tout. Et c'est une map tout à fait traditionnelle, donc voilà, on va juste jouer. J'aurais dû mettre le délai fixe, j'ai pas pensé à le mettre, je suis le pire. J'ai oublié de mettre le délai fixe. C'est pas grave, je l'ai pas non plus. Ok, c'est pas grave. Et du coup, je suis avec qui? T'es avec moi, Elessa, Nick Neu. Oh là là, je suis avec les pires, super. Mais quoi? Non, ça va. Tu reprends l'heure de la game, okay. Attends, et du coup, on est contre Tekitus, Knight, Kelewan et Viper. Viper, ouais. Ça va. C'est pas très équilibré, hein. Ça va. Comment ça, pas équilibré? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on est trop fort ou qu'on est trop nul? Moi, j'annonce pour l'instant que je pars sur un Star Drogoth, hein. Je l'annonce. Quoi? On est trop nul par rapport à eux? Ah, bah alors. Mais non, il troll. Attends, je fais un start loup. Pas de vraie épée, quelle déception. Il y aura la mienne. Ouais, mais c'est parce que les épées, on n'a pas le droit de se battre avec. C'est dangereux. Imagine, Galaxor, il me coupe un bras. Je fais comment après pour jouer? Bah, je peux pas. Imagine, il me coupe la gorge. Je fais comment après? Je pourrais plus parler, toi. Ah. Ce sera un peu gênant, toi. Ouais. Il y aura plus de live après. Ah si, il a trouvé de la live chaise. C'est vrai. J'ai trouvé qui est en face de moi. Je vais peut-être pas faire ce start live chaise. Il y aura juste des live chaises du coup. C'est le concept de la mort, c'est vrai. Et si on peut éviter ce concept, ça peut être sympa. Non, bah je devrais mettre en place les live chaises à chaque fois. Donc là, on est vraiment sur une game basique. Hein. C'est juste que les teams ont été tirés au sort. Et je trouve ça original. Et je joue Isengard, hein, si vous avez pas remarqué. Donc il y a du Angmar, il y a du Gobelin, il y a du Angmar. Waouh. Faction du mal. Bah écoute, hein, ouais. Hein. Donne la thune, elle est sœur, il me faut des sorciers. On est des méchants, on n'est pas des méchants ici en fait. Des loups, là. Moi j'attaque. Bah vas-y, on se regarde. Vous me couvrez? Y'a pas de soucis, mec. Tu demandes à Pontus une petite cote de maille et Zou, t'es protégé, tu chipotes Elro. C'est vrai. Non mais c'est vrai, une petite cote de maille et plus de problème en fait. Je sais pas s'il existait des cotes de maille pour la gorge. Pour la gorge. Bah je sais pas, je me dis c'est quand même dangereux les gorges. Non, fais gaffe, y'a des gobelins où t'attaques. Bah tu mets un home. Vas-y, chope le bâtisseur. Oh, le vent sinistre qui a été inutile. Mais si, pour le bâtisseur, mais tu... Ah, je t'avoue, j'ai pas tué le bâtisseur, je suis le pire. C'est pas grave, moi je suis là pour tanker. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai l'impression de plus avoir de réflexe. Non mais faut que je me rapproche de la communauté, à ce qui paraît je suis absent, donc rapprochons-nous de la communauté. C'est un cabaye. T'es un elfe, Elro, et d'après les films, vous avez une super vitesse où vous esquivez tous les coups, c'est vrai. Je suis super vif et rapide. C'est pour ça qu'on t'a perdu avec les elfes contre Yumi et Khan. Ouais, mais là c'était différent. T'as gagné avec Angmar. C'est moi ou je suis en train de défoncer Knight là, hein? Comment ça se fait? Il a deux gobelins, t'as des Urukai. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire, je suis... Tu le défonces. Je suis juste trop fort. Non, attends, je me cache juste derrière mes troupes, c'est tout. Qu'ils meurent tous! Moi je suis en train de faire la déforestation là. Ah bah super, la déforestation! Bravo l'image que tu donnes au live quoi! Il veut. Je joue Isengard, Elro, la faction qui. C'est vrai, en plus j'ai déjà fait une série. J'ai déjà fait une série. Isengard c'est la faction la plus polluante de la Terre du Milieu. Non, en vrai. Attends, non, c'est pas vrai ce que tu dis, tu es absent dans la vraie communauté, c'est-à-dire. Pas celle des Wangwang qui aiment Tolkien. Ah, ça vous a pas plu hein, qu'on vous traite de Wangwang En même temps. Oh punaise, il y a des araignées. Je vais les bouffer. Oh, il y a des loups. Y a pas quelqu'un qui veut prendre l'avant-poste au milieu? Bah, vas-y, à toi l'honneur. Hein. Mais je peux pas avec des loups, je peux pas le prendre. Tu peux pas avec des loups? Bah, ta quête meilleure. Vas-y, j'y vais, j'ai Grima. Ah. T'as qui ça? Je sais pas. Ah, les sorciers. Vas-y, fais ton taf, fais ça.
Attends, y'a Kaelewan qui s'est amusé à faire des tours à côté de l'avant-poste. Bon, pour l'instant ça va. Oh no, ces wargs sont agressifs. Ils ont flingué les sorciers. Ah mais ils ont fait une tour au centre en fait. Encore 500 et une recote qui sera lancée. Oh là là, coucou Genalog, comment ça va? Mais vas-y, mais fallait le dire. Ils ont une tour au centre hein, pour info. Ah. Et on va faire la petite fissure là. On va faire la... on va faire que des dragons. Comment ça tu vas faire des dragons? Bon, moi j'ai perdu mon armée, je sais pas où elle est partie mais je crois qu'elle est partie en vacances. Ils sont nombreux quand même ici, non? Vous trouvez pas? Ah effectivement, ouais, il commence à y avoir du monde. Si nombreux que ça, attendez, faut que je me concentre le chat là. Tiens, Galisorn, toi qui es un Twitcher, tu... Il y a un nouveau truc, c'est trop bien, c'est Twitch Chat. C'est développé par un français et c'est incroyable comment c'est vachement mieux que le truc de chat basique d'OBS. Donc si tu veux t'intéresser à ça, c'est Twitch Chat, le site. Tu verras, il y a plein de fonctionnalités. Genre, par exemple, par exemple, quand quelqu'un écrit plusieurs messages d'affilée, ça va directement l'intégrer dans un seul message, donc ça te fait gagner du temps. Ne t'occupe pas de son armée, ok? Là, je peux en une seconde, mute quelqu'un, bloquer, faire un sondage, prédiction, mettre son message en avant, etc. Enfin, c'est vachement bien. Voilà, là, tu peux t'occuper des restes. Bon, là, je suis en train de jouer, donc je peux pas. Hein, mais quand t'es en jeu de chatting, c'est vachement bien. Oh, l'armée de gobelins, là, qui arrive. Ouais, je suis sur le coup, je suis sur le coup. Attendez, faut que je refasse plus d'hommes, je pense. Je suis pas bien là. Mais interne, c'est quelqu'un qui va me faire un pute. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Ah ouais, merde, on a aucune faction, Kevin. Bah, t'as que du soin, c'est toi, Angmar. Avec on n'est pas sur l'1.09. Tu ne peux pas faire une forteresse pute. Oh, y'a de la cave archée. Oh non, bah tiens, non. Ouais, mais c'est la crise économique là. Je suis pas bien là. L'elfe il fait que de la cave archée. Bon, attendez, là je suis vachement pas bien là, ça va pas du tout. J'ai perdu un bâtisseur, j'ai perdu des héros. Hello Mr. Balin. Allez, l'équipe Nicknock et les Lézards. Et coucou Elro et toi nous, je vous aime bien aussi. Hein? Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça quoi. C'est Lysrinov. C'est Tror. C'est Tror, fils de train, fils de locomotive. Oh! Oh! Oh la boule de feu télécommandée. C'est génial. Allez, c'est parti, nouveau fight. Plus rien ne m'arrête. Hey, bâtisseur, au travail. Oh, on va aller. T'as un champ de guerre par hasard? Non, j'ai qu'un seul pouvoir là. Ok, Grima niveau 2, faudrait qu'il arrive niveau 3 pour débuff l'adversaire. Bon, ça va, mes hommes ont l'air de plutôt bien tanker, ça se passe plutôt bien. Yes. I am playing 4v4. Ça me fait penser que je dois publier mon mème. Bah let's go Dark. Bon, nouvelle vidéo des échos d'Imladris hein, pour ceux qui sont pas au courant aujourd'hui. Donc on compte sur vous pour mettre un maximum de pouces en l'air. On peut sauver les sorciers, les phares. On peut sauver les sorciers. Pourquoi j'ai un bâtisseur ici, ça a pas de sens. Pourquoi j'ai un bâtisseur là-bas? Pourquoi il s'est enfui? Attendez, on va faire ça. Ok, ça va, j'accepte. Ça remanie coûte 3000. On va améliorer ça, Je continue de geler les sorciers, faut les protéger. Bon, objectif, reprendre le centre. Ah, ils sont protégés, hein. Ils peuvent pas prendre de dégâts. Une pépite. Hein. T'as vu, moi, il y a eu du taf hein, sur la vidéo. Le montage était long. Le montage a été long aussi, pour trouver toutes les images. Et être en raccord le plus possible. Mais fais gaffe à mes loups. Désolé, bah en même temps j'avais peur. Ça c'est la fête des sorciers en bas là, hein, j'ai l'impression. Pourquoi je vois que des sorciers là du côté de Nicknock? Oh, ça y est, on a des alliés qui trollent là. Trollland par ici. Jamais. Hein. Non. Jamais. Que du sérieux ici, que du sérieux. Attaque pas les archers, c'est bon, t'inquiète, je gère. Mais attends. Malade. Eh, Drogoth, vas-y Drogoth. Oh là là, Drogoth qui va directement balancer sa boule de feu. Ça c'est bien joué ça. Bon, on dirait qu'il arrive quand là. Mais tapez ça les gars, c'est la tour qu'il faut taper. J'ai pas trop suivi le match. Ça se passe bien? Bah écoute, ça va pour l'instant. Là je vais reprendre le centre parce que c'est à moi. Voilà, je l'ai décidé. Ah mais il y a deux tours. L'union des deux tours. Non mais comment il y a Drogoth?
Ça me fait penser que j'ai trop de rediff à mettre en ligne. Je vais au milieu. Comment ça Ok, je vais faire Saruman. Ça me semble être une bonne idée. Oh punaise d'urt. Oh punaise d'urt. Il va se faire manger. Vas-y, t'inquiète, j'arrive. T'inquiète, il s'est retourné. Il t'arrive avec ce qui est sorti, hein. Oh, ça va faire mal ça. Oh l'urs, oh l'urs, oh punaise. Bon ça va, ça va, ça va, on s'en sort plutôt bien. Ah mais attends, y'a un move à faire. Ah ils sont tous paqués. Oh y'a un move à faire. Oh, j'avoue là sur la cavalerie il a fait quelque chose. Oh les sorciers, tu fais vent sinistre, je fais les ailes du dragon, comme ça ils peuvent pas s'enfuir. Mais attends, mais t'as le vent sinistre parce que moi je l'ai plus. Oh, les loups des SR. Oh la cavalerie, quand il y a une cavalerie comme ça bien paquée, hein, y a un truc. Oh la boule de feu! Y'a du monde en fait, non? Ah y'a un dragon de la tête! Allez, les sorciers! Non mais l'urs! Bah fait le gel pour les sorciers! Oh non, mais l'urs il est débile! Mais je comprends rien de ce qui se passe, il y a trop de trucs là! Mais t'as gelé mes loups! Oh là là, bah je me replie moi, je vous laisse dans votre caca! Hein. Bah je peux pas me replier! Sauver les sorciers. C'est bon, j'ai Saruman qui vient d'arriver avec un nouvel ordre. Je suis en panique. Des rediffs de live et des let's play, ainsi que le tournoi Medieval 2 Total War. Bon bah. C'est vrai que. Bah, faudrait que t'arrives à. Gaëtan, tu publies une vidéo par jour, c'est ça ou pas? Ou non, t'arrives pas à faire. Parce que moi en général c'est vrai que quand j'ai pas mal de rediff je me fais un moment où j'essaie de préparer genre je sais pas 4, 5, 6, 7 vidéos comme ça je suis tranquille pendant des jours quoi. Les sorciers sont morts. Salut Bagara, comment ça va? Ah attendez, je vais refaire un peu d'écho. Bon ça va, la partie est quand même équilibrée j'ai l'impression. Bah moi je fais que des dragons. Et puis faut pas que je fasse des numénoriens noirs archers. Ouais, ça aider, quand non, je peux, oui, dragon. Mais faut que j'ai la motive de les faire. Ouais, ça, c'est vrai que c'est plus dur, mais faut se dire que une fois que c'est fait, t'es tranquille, toi. Vas-y, tu te regardes. Ah ouais, j'avoue, en vrai, tu les classes, tranquille, ils ont pas d'archer. Ah, toujours sa cavalerie qui m'embête, hein. Je m'occupe de les remettre. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Bon, Saruman, j'ai besoin de toi. Des gobelins. T'as plutôt des gobelins. Ah, les gobelins? Ok, attends, le Drogoth il est avec nous là? Ah non, c'est le Drogoth tech, merde. Ouais, il est en train de tuer Ménarek là. M'énerve avec sa cavalerie là. Je speed. Comment je pourrais faire? Vas-y, crame tout. Attention, Ando. Attention, il y a la cavalerie qui est arrivée de par chez vous. Ouais. L'Urs est revenu. Merci, l'Urs. Vas-y, go. Bon attends, vous, allez faire ça. Et le reste c'est parti, allez aider. Bon c'est que des gobelins qui vous attaquent là, c'est nul. Bon je te laisse, on se tient au jeu pour le projet. Bah ouais pourquoi pas hein. Moi je suis... Attends, je vais avoir le vent sinistre pour la carte. Je suis plutôt chaud. Vas-y, j'ai les drakes dessus. Et boum. Tenez leur pique à ces orooks. Allez tapez, mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il tape pas? Ah mais j'ai pas d'archer, d'accord, je comprends mieux pourquoi je suis en... Bon bah écoutez, tenez hein. Repli stratégique, je répète, repli stratégique, on a pas d'archer. 3000 chacun, faites-vous plaisir. Hein. Comment ça t'as 3000 balles à nous donner comme ça? Ah je fais rien, je fais pas d'unité, c'est juste les dragons. Cet homme est juste riche en fait. Bon bah go. Hein. Bon bah je vais préparer ma prochaine défense et... Non bah en fait non, je vais directement attaquer là. Hein. Allez c'est parti, avec Saruman cette fois-ci. Le moment est venu. Ah non, ils vont même le ressorcier. Bah de toute façon il va me falloir de la thune. Et les rôdeurs noirs MDR. Je vais avoir les améliorations qui vont arriver là. La plus belle amélioration, les armures lourdes. Mais y'a pas quelqu'un qui peut tuer le Drogoth? Ah non, il est trop dur à tuer. Bah ouais, c'est vrai qu'avec les factions qu'on a, c'est pas forcément les meilleurs pour tuer Drogoth. On peut faire des numéros rien. Fais-les, et puis les sars aussi, fais-le hein. J'avoue, les sars fait quelque chose là, s'il te plaît. Ok, d'accord, donc on peut faire un truc. Ok, je comprends. Putain, il est trop cher.
A la guerre, à la guerre, tout voir. Riche le jour, ma peur la nuit. Toi nous Batman. À mort. Oh là là, ça Roman qui vient de passer directement au niveau 3. Hein. Quel bonheur. Antoine aussi, on a pas besoin. Elro, quoi? Ah. C'est bien de me le dire quand elle est arrivée sur le champ de bataille. Allez mes archers, allez dans le feu. Allez, tiens, encore de l'argent, encore de l'argent. Ouais. Ouais, il pleut des billets. Vas-y, rush for to. Let's go. Il y a des petits loups ici qui dorment. Ah mais il fait vraiment le rush for to en plus. Il me tue. Attendez, moi je fais la dévastation pour récupérer leurs arbres. On a un Drogoth qui a l'air bien plus fort qu'un autre. Non mais c'est parce qu'il y avait de la cavalerie. Il fait vraiment le rush for to. Attendez, je vais l'aider. Ah, il y a la cavalerie qui arrive par derrière. Je te mets un terrain souillé. Vas-y. Eh, ça va passer. Le full loot of bars. Let's go. Oh non, le mode carnage, le mode carnage. Let's go. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de porto. Comment ça y est? C'est honteux. Oh là là. Trop fort. J'avoue. Oh, le Drogoth, il va se faire plaisir là. Là ouais. Il va faire les ailes. Ouais, je pense que là, là il va se faire plaisir. Aïe, aïe, sérieux, aïe. Elessar. J'avoue, Elessar, c'est honteux là. Après, en vrai, ils font zéro dégâts. Hein. Tu vas te faire des ennemis là. Hein. Ah, mais non, mais c'était qui tout le qui en face de moi, j'ai pas de protection. Et le pire, c'est que j'avais le pouvoir des géants, mais je voulais faire ça juste avec les loups. Boule de feu. Tuez-les tous. Bah voilà, que demande le peuple. Moi attendez, je suis là. Vas-y, vas-y, je vais faire un nouveau rush. Bah vas-y, vas-y, viens, accompagne. Oh les pires. Saruman, 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 je compte sur toi pour faire une belle explosion de magie. 3, 2, 1, allez, let's go, déchets au capic. Oh là là, mais quel bonheur, quel bonheur. Ah! Attends, est-ce que t'as un champ de guerre ou un truc comme ça? Vite, rocket sur Saruman! Oui, il a un PV. Oui, je vois, je vois. Il a un PV, vite! J'utilise. Ah, mais tu vas taper tech! Bah oui! Ah! Ah, Viper a été vaincu, il a rage kit, je crois. Oh non! Boum! Oh non! Non, 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 il peut pas mourir comme ça, Saruman! Vas-y, maintenant les géants! Oh le coup! Boum! Oui, merci! Non, ça va, il va pas sur mon. Repli! Par contre, toi, nous, ne vous dit rien sur le remboursement et les intérêts de ces dons. Qu'est-ce qu'il raconte? Héros, lanceur de hache du Rudeur, ça explose des dragons. Ah oui, oui. C'est pas, non, c'est non, pas là, des. Il faut des rôdeurs noirs là. C'est des. Ah oui, lanceur de hache de pays de Dain, oui. Oui, c'est pays de Dain, c'est pas. Pas du Rudeur. Oh, attendez, je vais prendre le contrôle de son héros. Ah, mais attendez, c'est pas notre terrain souillé en fait. Il fait des poussons, en fait. Regardez, je vais prendre le contrôle de ce héros. Hop, il est à moi. Ah, ça c'est pas notre Drogoth. Ça, c'est... Ah bah, il va mourir son Drogoth. C'est quand même pas mal comme fonctionnalité. Hein. Et du coup, Eomer, on va le mettre et juste voilà. Là. Et regardez, hop. Regarde, je te mets un truc de gel. On va faire un truc un peu comme ça. Regarde, t'es sorcier. Tu peux utiliser. Tiens, mon cher Eomer, tu vas te mettre à pied. Et on va le soulever quand il est trop... quand il aura terminé. Oh non, attendez. Attends, est-ce qu'on peut faire ça sur les. Tuer le traître. Ça fonctionne voilà. Pas sur les. En plus, ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est fait. Oh, je suis un monstre. Je suis un monstre. Fallait pas les Uruk d'élite, ça sert à rien. Ils sont full archers. Oui, oui, oh, c'est pour le beau jeu. Moi, si on commençait à perdre, j'étais prêt à faire tourner 5 fissures full semi-troll upgrade là. Attends, rush for to. Ah, il reste que Kelway. Quel troller, non, quel troller ce Elessar avec ses fous. Non mais t'inquiète, c'est bon, j'ai mes sorciers, vas-y, viens. Vas-y, donne-la moi. C'est bon, j'ai mes sorciers. Je vous mets l'appui. T'as pas un heal pour les sorciers? Ah oui, il manque des adeptes. Oh, il y a Gandalf. Gandalf de la maison grise. C'est bon, il a fait pouvoir dans le vide. Et bah voilà. Mais quelle victoire, mes amis, quelle victoire. Attendez, Gandalf. Il aurait pu rentrer dans la forteresse comme ça. Allez, rush nous. Non, ne touchez pas à sa forteresse. Oh, Arrêtez. Merde, j'ai cancel. Détruisez tout, je peux peut-être avoir mon pouvoir niveau 25, mais ça va être compliqué je pense. Je gagne pas assez de points de pouvoir.
Laissez-moi détruire. Laissez-moi gagner des points d'XP. T'inquiète, c'est partagé. Non, faut pas péter tous ces bâtiments de production d'unités. En vrai, quand tu regardes, on avait l'adepte des sorciers, on avait l'adepte des bêtes sauvages, on avait l'adepte des dragons. Non, moi j'étais juste... On avait l'adepte des ourukai. Moi j'ai juste joué normal en fait. Bah en même temps avec Isengard tu veux faire quoi? Genre à part full warg avec Charcou, y a pas vraiment de... Moi il va le manger. C'est moins une faction où tu peux troll toi. Je trouve. C'est un peu plus compliqué avec Isengard quoi. Il y a les bâtiments du gobelin à détruire. Ah oui en fait la première base qu'on a attaquée on a même pas... Oh non tu les as déplacés le pire. Le pire. Et voilà, victoire. Bon, les teams étaient pas franchement équilibrés. Ouais, mais ça fait quand même une belle team. Il y avait clairement tous les meilleurs d'un côté. Les pauvres. C'est dur pour Tekitu. Non, on a juste été trop fort, c'est tout. Bah écoutez, cette vidéo sera peut-être sur YouTube, on ne sait pas, dans un futur. Non, vous êtes pas obligé. Clairement, le rush d'Elessar, je trouve que c'est dégueulasse. Alors. Ouais, non mais c'est honteux, Elessar à bannir, mais sinon le reste, c'était beau, c'était beau. On s'amusait bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez jouer avec des personnes, hein, voilà, des petites games tranquillou. Je vous dis au revoir et abonnez-vous.